Tous les samedis, de 9h à 10h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon, présenté par Juvénal Noël. Monsieur, bonjour et bienvenue donc à ce magazine consacré donc à l'actualité des 7 derniers jours dans la capitale des Gaules. Ce matin, nous ferons un focus sur l'ISARA, cette école qui fête ses 50 ans à Lyon, qui a formé plusieurs générations d'agronomes. Et pour en parler ce matin, qui mieux que Monsieur Pascal Desamets, qui est le directeur général d'ISARA. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Concrètement, qu'est-ce que c'est que l'ISARA? Eh bien, l'ISARA, c'est une école d'ingénieurs en agronomie, en agroalimentaire et qui traite également des questions environnementales qui sont très importantes dans ces secteurs d'activité. C'est une école de statut privé, association loi 1901, en contrat avec l'État et qui a été créée effectivement il y a 50 ans, en 68, en mai 68 très exactement. Créé à l'initiative des milieux professionnels agricoles qui avaient besoin de cadres pour ces secteurs d'activité. Très bien présenté. J'avoue que je n'aurais pas fait mieux. Je pense. Je n'aurais pas fait mieux. C'est vrai que généralement, nous collectons de l'information et ce n'est pas toujours avec la même subtilité comme vous le dites aujourd'hui, ce matin. Et donc, avec vous, on va comprendre en fait quels sont les profils qui sont accueillis chez vous et quels sont les débouchés de ceux qui sont diplômés chez vous et quels sont aujourd'hui, on imagine, après, 50 ans après, pratiquement 50 ans, hein, on a quelques semaines, donc 50 ans après, vous avez aujourd'hui plusieurs partenariats, que ce soit sur le plan local qu'à l'international. C'est tout cela que nous allons découvrir avec vous ce matin. D'autres informations seront développées dans ce magazine Amis Audit. Et pour vous dire merci, pour vous accueillir, vous souhaite la bienvenue à M. Pascal Desamets et à vous autres amis auditeurs. On vous propose cette brève ponctuation musicale. C'est avec une fleur de Venise que je viendrai prendre ta main. S'il me faut ramer du port de Nice, je braverai tous les requins juste pour un jasmin, juste pour un jasmin, juste pour un jasmin. Si Venise est si belle, comme on me l'a dit, si elle est si splendide, comme on l'a décrit, ton plus beau cadeau d'amour viendra de Venise, ma doudou. Une balade vespérale le long des quais ou sur une gondole royale, l'eau sous la pagaie, chantant avec le vent, l'amour qui fête le temps. C'est avec une fleur de Venise que je viendrai prendre ta main. S'il me faut ramer du port de Nice, je braverai tous les requins juste pour un jasmin, juste pour un jasmin, juste pour un jasmin. Et le ciel dégagé, la flamme du soleil, les tourtereaux s'envolent, le chant des abeilles célèbre avec candeur la joie de vivre des fleurs. Et tous ces gens qui montent, ceux qui descendent, les visages en vacances, la
mine éclatante, disent comme les pélicans, la belle Venise nous attend. C'est avec une fleur de Venise que je viendrai prendre ta main. S'il me faut ramer du port de Nice, je braverai tous les requins juste pour un jasmin. Juste pour un jasmin. Juste pour un jasmin. Rendez-vous d'actualité proposé par Radio Pluriel. Retour dans ce 91.5 de Radio Pluriel. Nous recevons donc ce matin M. Pascal Desamain, qui est le directeur général de ISARA, cette école d'agronomie, qui a formé aujourd'hui plusieurs générations dans le monde agricole, aujourd'hui dans l'environnement. Et ce matin, il est venu nous présenter cette belle structure, qui est d'ailleurs présentée aujourd'hui comme un fleuron des grandes écoles à Lyon. Une fois de plus, bonjour Pascal Desamain. Bonjour. Bien. Avant de revenir, rentrer de nouveau dans ISARA, en perspective via cette rencontre, dans une dizaine de jours aura lieu à Lyon un salon, donc avec pour titre « Oser l'alternance dans les métiers de la fonction commerciale ». Et pour en parler avec nous ce matin, c'est Jérémy Thillet qui est chargé des missions à la direction formation pour l'alternance emploi-orientation à la Chambre de commerce de Lyon Métropole Saint-Étienne. Une fois de plus, bonjour Jérémy Thillet. Bonjour. Merci d'être notre ce matin. Alors, pourquoi une rencontre avec les chefs d'entreprise ? Alors, effectivement, c'est une réunion d'information. C'est pas vraiment un salon, c'est une réunion d'information avec des chefs d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que effectivement, les jeunes qui ont des projets d'alternance, avant de s'engager, on leur conseille vivement de rencontrer un maximum de chefs d'entreprise pour bien avoir conscience de ce qu'est l'alternance et puis pour bien envisager le métier qu'ils souhaitent faire dans l'avenir et rien de tel que de effectivement dialoguer, discuter avec des personnes qui exercent le métier qu'ils souhaitent faire plus tard en entreprise ou les futurs dirigeants qui seraient capables de les recruter. Aujourd'hui, Jérémy Thillet, est-ce que ce genre de rencontre intéresse les jeunes ? Oui, effectivement, en fait, le principe de oser l'alternance a été créé il y a plusieurs années entre les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers d'artisanat et le centre régional d'information et jeunesse.
L'idée était d'aller à la rencontre des jeunes pour leur expliquer le fonctionnement de l'alternance et d'aller au plus près des jeunes, donc sur les territoires, dans les communes, pour les rencontrer. Et on se rend compte que depuis de nombreuses années, on rencontre un succès. Pourquoi ? Parce que effectivement, les jeunes ont besoin de s'informer. Il y a bien évidemment aujourd'hui tout ce qu'on peut trouver sur Internet, mais on se rend compte que la rencontre en face à face reste quand même quelque chose d'important pour les jeunes. Et oui, le succès de ces réunions Oser l'alternance ne se dément pas depuis de nombreuses années. Outre le fait d'être jeune, Jérémy Thillet, quels sont les profils que vous attendez? Quel est le profil type du jeune qui devrait être présent à ces rencontres? Alors, effectivement, la réunion qui aura lieu donc le 18 avril prochain à Vaise, au sein du centre de formation de la CCI, est une réunion d'information qui sera dédiée aux jeunes qui souhaitent s'orienter vers les métiers de la fonction commerciale. Donc, le profil des jeunes que nous attendons, ce sont vraiment des candidats, des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans et qui envisagent l'année prochaine de préparer des études en alternance, de préparer un diplôme qui serait dans le domaine de la fonction commerciale. Cette réunion-là sera vraiment orientée pour ces métiers-là, les postes de commerciaux, de commerciaux itinérants, d'assistants commerciaux, de commerciaux sédentaires, enfin voilà, tous les métiers, toutes les formations qui pourraient préparer aux métiers de la fonction commerciale peuvent être vraiment intéressé par cette réunion. Pourquoi ? Parce que on aura de nombreux témoignages pendant cette réunion. Nous aurons notamment le directeur commercial d'une grande structure qui est Toshiba, qui viendra parler des sans recrutements publicité. Qu'il fait. Oui. Allez-y, continuez. J'ai juste sans oui. publicité pour la marque que vous venez de citer. Allez-y, poursuivez. Oui, 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 oui. Il y aura notamment donc le directeur commercial, donc je disais, de Toshiba, qui viendra expliquer les métiers, les formations en alternance qu'il recrute dans le domaine commercial dans son entreprise. Et puis, on aura aussi vraiment le grand privilège de recevoir des membres des DCF. Les DCF, c'est l'Association des dirigeants et commerciaux de France, qui est une grosse association lyonnaise qui regroupe des commerciaux qui veulent ensemble faire la promotion de leur métier, de leur fonction. Et donc, nous aurons la chance d'avoir 3 ou 4 directeurs commerciaux qui viendront témoigner aussi, d'expliquer pourquoi ils se sont orientés vers le métier de commercial, éventuellement, s'ils ont fait de l'alternance, de parler de leur parcours en alternance, quelles sont les choses à attendre lorsqu'on s'oriente vers ces métiers-là. Donc, ce sera vraiment une réunion d'échange où ils expliqueront un peu les points forts, les contraintes, enfin voilà, un dialogue sans filtre sur le métier de la fonction commerciale. Et puis, à l'issue de ces témoignages, les jeunes qui participeront pourront éventuellement poser des questions ou rencontrer de manière individuelle ces personnes-là pour faire ce qu'on appelle du réseautage, pour réseauter, parler peut-être un peu mieux de leur candidature personnelle. L'important, c'est de prendre de l'information. Bien, pour ceux et celles qui prennent notre image, que maintenant nous sommes en ligne avec Jérémy Thillet, qui est chargé de mission à la direction formation Pôle Alternance, Emploi et Orientation à la CCI Lyon Métropole, Saint-Étienne et Roanne. Dites-nous, on a l'impression aujourd'hui que le métier de commercial peut être embrassé par tout le monde. Est-ce que c'est comme cela que ça marche? Non, c'est en fait aujourd'hui effectivement les entreprises misent beaucoup sur le commercial pour développer leur activité. Donc aujourd'hui il y a un très grand panel de formation dans le domaine commercial. Donc on touche beaucoup de profils. Beaucoup de jeunes peuvent s'orienter vers les métiers de la fonction commerciale, mais je ne dirais pas que tout le monde peut aller vers la fonction commerciale. Il y a nécessairement des qualités à avoir. Que ce soit des qualités, je dirais, humaines, le goût du challenge, le goût du relationnel, l'abnégation, le sérieux, le goût du chiffre, mais aussi des qualités techniques. Aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de formations qui vont du CAP au bac plus 5 et qui vont donner des domaines de spécialisation dans la fonction commerciale. Donc,
qui est important pour un jeune qui souhaiterait s'orienter vers les métiers de la fonction commerciale, c'est de, un, bien se renseigner sur les différents métiers qui peuvent exister, et puis, surtout, regarder les formations qui correspondraient le mieux à ses attentes. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une formation qui prépare en alternance au métier de commercial, mais il y en a plusieurs. Donc, il faut vraiment, par exemple, assister aux réunions que nous organisons, par exemple, comme celle du 18 avril, mais aussi aller à la rencontre des écoles, faire des journées portes ouvertes, des écoles qui présentent les formations dans le domaine commercial, pour bien se renseigner sur le contenu et puis les débouchés de ces diplômes-là, vers quel métier vraiment ils s'exerceront en entreprise. Bien, merci beaucoup Jérémy Thillet pour toutes ces informations. Donc, rendez-vous est pris le 18 avril prochain. Ce sera où précisément? Alors, ce sera au sein du centre de formation de la CCI à Vaise, au métro Gorge-de-Loup, qui est 26 rue Sergent-Michel Berthet, vraiment à 200 mètres du métro Gorge-de-Loup. C'est de 14h à 16h. Ce qui est important, c'est qu'il faut aller sur le site de la CCI de Lyon pour pouvoir se préinscrire, parce qu'il y a 80 places pour cet événement. Donc vraiment, si les jeunes et les parents sont intéressés, il faut aller s'inscrire sur le site de la CCI à la rubrique agenda, et à la rubrique agenda, à la date du 18 avril, vous inscrivez sur la thématique Oser l'alternance Lyon. Excellente journée et au plaisir. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Hein. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. 7 jours à Lyon, tous les samedis de 9h à 10h. Bien, retour dans ce studio où nous sommes avec M. Pascal Desamets, qui est notre invité de studio, qui nous accompagnera durant toute cette émission pour nous parler de l'école Isara, cette école qui forme des ingénieurs dans les domaines de l'agronomie, l'agriculture, et aujourd'hui, ils sont également dans le domaine de l'environnement. Pascal Desamets, alors, la question, je l'avais posée à l'entame, mais je reviens dessus. Quels sont les profils qui ont leur place chez vous à l'école Isara? Alors comme je l'ai dit, effectivement, l'école forme des cadres dans le domaine de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'environnement. Ces secteurs d'activité sont très liés aux sciences du vivant. Et donc les jeunes qui rentrent chez nous doivent aimer les sciences du vivant particulièrement. Les sciences du vivant, c'est-à-dire ? Tout ce qui va tourner autour de la biologie, notamment de l'agronomie, de la zootechnie, de l'alimentation. On est une école qui est une école post-bac. Donc nous admettons après le bac, et nous admettons essentiellement des bacs S, toutes spécialités. Des bacs également technologiques, hein, comme les bacs STAV dans le domaine de l'agriculture, ou des bacs sciences et techniques de laboratoire, STL. Les jeunes que nous admettons doivent candidater à l'ISARA au travers d'un portail qui s'appelle Grandes Écoles Post-Bac. Chaque année, nous avons 800 candidats pour entrer chez nous en première année, et nous n'avons que 150 places, donc il y a un processus de sélection qui s'effectue. Pour choisir ceux qui seront le plus adaptés à notre cursus. Justement, je reprécise ma question. Quels sont ceux qui sont les plus adaptés à vos formations? Alors, il faut qu'ils aiment les sciences du vivant. Il faut qu'ils aient un projet d'études également. C'est ce que nous allons évaluer dans des entretiens de sélection. Pas un projet professionnel, parce qu'à 18 ans, on n'a pas encore un vrai projet professionnel, mais un projet d'études qui va, je l'espère, correspondre à ce que nous pouvons fournir, c'est-à-dire un projet où les étudiants aiment les disciplines appliquées, parce que dès la première année, ils vont par exemple partir en stage, puisqu'ils ont la possibilité de faire des stages pendant tout leur cursus. Il faut qu'ils aient un profil scientifique également solide, parce que, comme toute école d'ingénieurs, elle s'appuie effectivement sur des disciplines scientifiques et techniques importante. Et puis il faut également qu'ils aient une ouverture sur le monde, pas seulement le monde loin de Lyon, mais le monde autour d'eux, parce que au-delà de former des ingénieurs, des cadres, nous formons aussi des hommes et des femmes, et pour nous le savoir-être est un élément au moins aussi important que le savoir-faire ou le savoir-faire-faire en matière de management. Les valeurs humaines de nos étudiants sont également importantes pour qu'ils puissent bien être adaptés à notre formation.
Quand vous parlez de l'ouverture au monde, ça laisse entendre que vous êtes également ouvert à l'international, c'est ça? Alors nous sommes effectivement très ouverts à l'international. Pour être diplômé de l'ISARA, un ingénieur, enfin un élève, doit partir pendant son cursus à l'étranger, c'est obligatoire. Au moins un semestre, en stage, en séjour d'études, ou les deux. Et en ce qui concerne les séjours d'études, on a des accords d'échange avec à peu près 150 universités répartis un petit peu partout dans le monde. C'est-à-dire, quand tu dis dans le monde, est-ce qu'il y a des zones géographiques aujourd'hui où ils peuvent aller? Est-ce qu'ils vont par exemple dans les zones désertiques? Alors ils vont comme je disais, partout dans le monde, en Europe bien sûr, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Afrique, et y compris dans des zones désertiques, notamment dans le cadre de stages, où ils vont pouvoir travailler avec des structures sur place pour travailler sur des questions d'alimentation et d'environnement. Cela sous-entend que vous avez des partenariats avec d'autres. Est-ce qu'il y a des structures partenaires ou des structures filles des ISARA dans le monde aujourd'hui? Alors, il n'y a pas de structure fille de l'ISARA dans le monde. Il y a une antenne de l'ISARA à Avignon, c'est le monde, mais ce n'est pas très loin de Lyon, puisqu'on a deux campus, un campus à Lyon et un campus à Avignon. On n'a pas d'autres campus dans le monde. Par contre, comme je disais, on a des partenariats très forts avec des universités dans le monde. On est en train de monter de nouveaux partenariats au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, pour effectivement pouvoir à la fois envoyer nos élèves dans ces écoles ou ces universités et accueillir des élèves venant de ces écoles et de ces universités à l'ISARA. Pour ceux et celles qui prennent le train en marche, que maintenant nous sommes avec Pascal Desamets, directeur général de l'ISARA, qui est venu à l'occasion des 50 ans. 50 ans, c'est pas rien. Un homme de 50 ans, c'est un homme qui a déjà mis au sein des demi-siècles. On imagine donc que l'ISARA a déjà eu à former plusieurs générations d'ingénieurs. On va revenir dans les trois jours, parce qu'aujourd'hui, depuis avant-hier, et hier, et voire même aujourd'hui, ce sont les cérémonies marquant donc ce cinquantenaire. On revient dans quelques instants, le temps de prendre cette brève ponctuation musicale. Le temps que les choses se mettent donc en place, on va écouter cette belle musique. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi. Avec un soupçon de réserve toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin, car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire un aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles.
Et la question se pose aux victimes novices. Mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau. Bien, comme il le dit si bien, mourir pour les idées, mais il faut savoir pour auxquelles les idées, l'idée de préparer un avenir meilleur, outiller la jeunesse française pour qu'elle soit davantage utile et pour servir cette belle nation. C'est pour cela que ce matin, nous recevons donc M. Pascal Desamets, qui est le directeur général de l'ISARA, qui forme donc des ingénieurs dans le domaine de l'agronomie, le domaine agricole, également des ingénieurs dans l'environnement aujourd'hui. Pascal Desamets, voilà trois jours dédiés à fêter un cinquantenaire. Quels sont les grands moments de ces trois jours? Alors, on a structuré ces trois jours en fonction de nos cibles de partenaires ou de parties prenantes au niveau de l'ISARA. Le premier jour était dédié à nos partenaires externes, c'est-à-dire toutes les entreprises qui travaillent avec nous, qui embauchent nos élèves, ou qui nous aident à monter des programmes de recherche et de développement. Les partenaires également académiques, scientifiques. Pardon de vous couper, vous dites que oui. C'est très, très intéressant. Vous dites les entreprises qui embauchent, vous laissent croire que quand ils sortent, certains ont déjà la chance d'être pris quelque part. Ah oui, on a des élèves qui trouvent un emploi facilement, voire très facilement, puisqu'on a un taux d'employabilité à 6 mois qui est proche de 100%. Donc ça veut dire que les élèves trouvent vite. Au moment de la remise des diplômes de l'école, qui a lieu traditionnellement fin novembre ou début décembre, trois quarts sont déjà en emploi. Ça donne envie pour ceux et celles qui nous écoutent ce matin, qu'effectivement, à une période où l'embauche, enfin, trouver un emploi n'est pas toujours évident, à ISARA, ils ont la chance d'être pris. Rapidement, parce qu'on est sur des secteurs d'activité, hein, dans les domaines agricoles et agroalimentaires, qui ont besoin de cadres, puisque ces secteurs sont face à des défis considérables. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'horizon 2050, il y aura 9 milliards d'habitants sur cette planète, qu'il va falloir les nourrir avec des aliments sains, et donc en quantité suffisante, en produisant ces aliments, en préservant les ressources naturelles, et on sait que là, il y a un vrai enjeu également, hein, préserver la biodiversité, l'eau, les sols, dans un contexte de réchauffement climatique, donc c'est pas simple, et puis en faisant en sorte aussi que tous les opérateurs tout au long de la filière vivent correctement de leur travail. Aujourd'hui, si on parle des agriculteurs, par exemple, notamment en France, certains ont du mal à vivre de leur travail. Donc il y a des enjeux considérables en matière d'alimentation et en matière d'environnement, et donc des métiers passionnants pour répondre à ces enjeux. Je vous ai interrompu, je n'ai pas oublié, nous parlons des trois jours de festivités du cinquantenaire. Comme vous dites, des choses intéressantes, il faut bien creuser. Alors, vous dites que vos jeunes trouvent donc un emploi. Quels sont les secteurs bien précis dans lesquels aujourd'hui ces jeunes parviennent à s'insérer? Alors nous, on a coutume de dire que nous travaillons sur les secteurs d'activité allant de la fourche à la fourchette. Donc, c'est-à-dire? Ou de l'étable à la table, si vous préférez. Donc, de la production agricole, qui va produire les matières premières qui vont être ensuite transformées ou non. Et même en amont de la production agricole, tout ce qu'on appelle l'agro-industrie, hein, production de semences, production de produits de traitement des plantes, machinisme. L'industrie agroalimentaire, qui transforme ces matières premières en produits transformés, que vous allez trouver dans les lieux de commercialisation. Et on va jusqu'à la commercialisation et donc toute la distribution. Et puis tous les services à ces secteurs d'activité, les banques, les assurances, la logistique. Donc on est sur un panel de secteurs d'activité large, bien sûr liés à nos filières, et sur des fonctions qui peuvent être, et c'est normal pour des ingénieurs, des fonctions techniques, par exemple ingénieur de fabrication, recherche-développement pour la mise au point de produits, qualité, parce que la qualité sanitaire des produits est quelque chose d'important, mais aussi des fonctions commerciales, marketing, puisque nous avons des spécialisations pour nos élèves ingénieurs dans ces domaines-là, et même un double diplôme avec des écoles de management. Ça veut dire qu'au sortir un jeune qui sort de l'ISARA, il y en a qui ont déjà des sont outillés pour le marketing et... Oui, tout à fait. On a des spécialisations dans le domaine de marketing. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, pardon, nous leur offrons la possibilité de faire des doubles diplômes, par exemple un double diplôme avec l'EM Lyon dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation.
Pour ceux et ceux qui se joignent à nous à cet instant, donc nous sommes avec M. Pascal Desamé, qui est le directeur général de IZARA, cette école qui, depuis 50 ans aujourd'hui, a formé et continue de former plusieurs ingénieurs qui vont donc, comme il le disait tantôt, donc, renforcer, outiller et améliorer même les secteurs de l'agronomie, l'agroalimentaire. Nous allons prendre quelques petites brèves et on va retrouver notre invité dans quelques secondes. Toujours en formation donc à Lyon, de nouveaux cours programmés à l'EM Lyon pour Laurent Wauquiez. Malgré donc la polémique et comme promis, le président de Les Républicains va continuer à intervenir à l'EM Lyon Business School. La déferlante donc médiatique n'y aura rien fait. Sont donc Médiacité Lyon. Laurent Wauquiez sera de retour à l'EM Lyon les 27 et 28 avril ainsi que les 22 et 23 juin pour de nouveaux cours. Malgré donc le tollé déclenché par ses propres propos en février dernier, ces conférences ont été maintenues. Pour rappel, les présidents donc des Républicains s'étaient fendus donc de nombreuses déclarations peu élogieuses, notamment donc envers ses collègues des Républicains. L'école de santé des armées accueille donc un exercice de sauvetage combat. C'est sur le campus de Bondillan donc de l'école de santé des armées ESA que se déroulera donc jeudi donc un exercice annuel. C'est déroulé plutôt pour moi le jeudi dernier donc un exercice annuel de sauvetage au combat. Cette mise en pratique a pour but de valider l'ensemble de la formation médico-militaire qu'ont pu suivre les étudiants en 60 années de médecine. En 6e année de médecine, autant pour moi. Alors, cela représente 1800 heures de formation en complément des études universitaires en médecine. Lors de ces exercices, donc, communément appelés RESAC, exercice de restitution et d'évaluation des savoir-faire acquis en sauvetage au combat, les 43 étudiants ont dû montrer trois ateliers en savoir, mettant notamment donc en scène une attaque suicide ainsi que des interviews en anglais. Le trafic restera donc perturbé ce samedi sur le réseau ferroviaire de la région. Les TGV circuleront donc normalement sur l'est, sur l'axe sud-est, mais seulement 50% des TER sortiront des gares. Ainsi, il y aura donc deux allers-retours entre Lyon et Clermont-Ferrand et 110% de TER entre Lyon et Grenoble et entre La Part-Dieu et Saint-Étienne. Un train sur deux circulera sur les lignes Lyon-Bourg-en-Bresse, Lyon-Mâcon et Lyon-Ambérieu, Lyon-Modane et Lyon-Annecy. En revanche, seul 30% du trafic sera assuré entre Lyon et Roanne. La liaison entre Lyon et Bourg-Saint-Maurice sera elle aussi assurée à hauteur de 75%. Pour vous qui venez à nous, qu'à ce moment, nous recevons ce matin Pascal Desamé, qui est le directeur général de IZARA, ce fleuron des écoles de Lyon, qui a depuis 50 ans donc, pratiquement mis sur pied plusieurs générations d'ingénieurs. Fête ses 50 ans depuis jeudi dernier, hier et encore aujourd'hui. Il sera donc possible pour vous qui ne la connaissez pas d'aller à sa découverte. Pascal Desamé, qu'est-ce qui est prévu au programme de ce jour? Alors aujourd'hui, la journée est plus particulièrement dédiée à nos anciens élèves, hein, 3800 anciens
depuis la création de l'école. Alors ils ne vont pas tous venir aujourd'hui parce que certains habitent loin déjà et puis certains ne sont pas disponibles. Mais on en attend un millier, je pense, qui vont venir partager avec nous cette fête des 50 ans, qui vont pouvoir faire un parcours que nous avons créé à l'occasion de ces 50 ans, un parcours qui amène le visiteur du stade enfant au stade entrepreneur, en passant bien évidemment par la formation de l'ISARA, puisque notre vocation, quand je parle d'entrepreneur, c'est bien évidemment de former des ingénieurs, mais de former des ingénieurs qui ont l'esprit d'entreprendre, entreprendre en créant des activités, en créant des entreprises, mais aussi entreprendre dans les entreprises qui les embauchent. Et puis il y aura l'Assemblée Générale de l'Association des ingénieurs, qui est très active et qui travaille en étroite collaboration avec l'ISARA. Et c'est important parce que le réseau des anciens élèves est notre premier réseau professionnel. Donc le réseau des anciens élèves est notre premier réseau professionnel. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'ISARA a été créé il y a 50 ans par les milieux professionnels qui avaient besoin de cadres pour nos secteurs d'activité. Le lien avec le monde professionnel est dans nos gènes. C'est pas pour rien qu'on a un taux d'employabilité comme celui que l'on a. C'est parce qu'effectivement, on a des étroits partenariats avec les entreprises de nos secteurs d'activité. Alors, ça c'est pour cette journée. Pour comprendre aujourd'hui, lorsque un jeune rentre chez vous, quelles sont les filières les plus prisées pour ceux qui viennent chez vous ? Alors, les filières, il n'y a pas forcément de filière la plus prisée. Comme j'ai dit, on forme de la fourche à la fourchette. Et pour nous, il est important que les jeunes comprennent bien justement qu'on est dans une filière qui va de la production des matières premières jusqu'à la commercialisation des produits en passant par la transformation. Et aujourd'hui, on a identifié plus de 300 métiers possibles en sortant d'une école comme la nôtre. Et ce qui est important, c'est qu'on construise avec l'élève son projet professionnel. Quand il rentre chez nous, il a un projet d'études, il n'a pas encore vraiment de projet professionnel. Et très rapidement, avec lui, on va construire ce projet professionnel qui va lui permettre de se spécialiser dans le secteur d'activité, dans le métier qui lui correspond le mieux. Parce qu'on sait bien que pour bien faire un métier, pour y être motivé, il faut avoir quelque chose qui vous intéresse, qui corresponde à ce que vous êtes. Et ça, on va l'aider à le faire. 7 jours à Lyon. Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, et s'en aller. Ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, dont on ne l'attendait plus. Se voir y croire pour tromper la peur du vide, ancré comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre,
apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir souffrir, silence sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir mourir, et se relever comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Apprendre à rêver. Rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux, et savoir donner. Donner sans rature ni demi-mesure, apprendre à rester. Vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer, s'en aller. Bien, nous rentrons dans les 10 dernières minutes de ce magazine. Pour vous qui joignez nous, qu'à ce moment, nous recevons Pascal Desamets, qui est le directeur général de l'ISARA, cette école d'agriculture qui se trouve à Lyon, qui a formé, faut le rappeler, plusieurs générations d'ingénieurs. Il nous disait qu'ils sont 3800 sortis donc de cette belle école. Pascal Desamets, merci d'être des nôtres, une fois de plus. Merci à vous. Pour comprendre aujourd'hui, quand un jeune sort de l'ISARA, et quelle est la chance d'être pris? Généralement, ils rentrent où? Vous avez dit, j'ai très bien compris qu'ils vont de l'étable à l'assiette. Ça veut dire en fait qu'il y a plus de l'étable à la table. Autant pour moi, de l'étable à la table, autant pour moi. Et voilà, avec tous les métiers qu'aujourd'hui on peut imaginer, mais quels sont les domaines qui je dirais pas absorber, mais qui accueillent très rapidement vos étudiants? Alors, les domaines qui accueillent nos étudiants sont ceux que j'ai cités tout à l'heure. Donc, par exemple, l'agro-industrie, qui est dans le domaine de la production de semences, dans le domaine de la production de produits de traitement des plantes. Et en général, les élèves qui vont dans ces secteurs d'activité travaillent soit dans le domaine plus marketing, commercial, soit dans le domaine de la recherche et du développement, par exemple pour mettre au point des nouvelles semences pour des céréales. C'est une voie possible. La production agricole, certains s'installent en tant qu'entrepreneurs agricoles, parce que les agriculteurs sont des vrais entrepreneurs maintenant, et vont donc produire des matières premières, des céréales, du lait, de la viande. 60% de nos élèves vont plutôt vers l'aval agroalimentaire, et là-dedans on met à la fois les entreprises de transformation de l'agroalimentaire, les entreprises qui fabriquent les yaourts, les fromages, le chocolat, les produits à base de viande qui sont commercialisés. Et là ils vont avoir des métiers par exemple, dans le domaine de la fabrication, ingénieur de fabrication, pour produire ces produits, dans le domaine de la qualité, pour assurer la qualité sanitaire de ces produits. Là aussi, dans le domaine de la recherche-développement. Et puis, ça peut aller aussi jusqu'à comme je le disais, à la commercialisation de ces produits, et donc sur des postes plutôt dans le domaine
du marketing également et du commerce. En termes de pourcentage approximativement, combien de vos jeunes vont à la conquête de l'étranger? Alors on a environ 15% de nos élèves, une fois qu'ils sont diplômés, qui travaillent à l'étranger, mais tous travaillent avec l'étranger. Parce que maintenant on est dans un contexte assez mondialisé, hein, dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire, et même quelqu'un qui va travailler dans une TPE, une très petite entreprise, va souvent avoir affaire à des fournisseurs de produits et de matières premières qui sont à l'étranger, ou à des clients en matière d'export qui sont à l'étranger. Donc voilà, 15% travaillent à l'étranger, mais tous ont l'occasion pendant leur carrière de travailler avec d'autres pays du monde. Pascal Desamets, directeur général de ISARA. Nous allons prendre quelques brèves et on vous retrouve dans quelques instants. Le jardin Rosamir rouvre ce matin après la fermeture donc hivernale. C'est le retour du printemps fermé donc depuis plusieurs mois. Le jardin Rosamir ouvre à nouveau ses portes au public ce samedi, l'occasion d'une promenade atypique au cœur de la Croix-Rousse entre une végétation méditerranéenne luxuriante et une architecture à base de pierres et de coquillages. C'est un maçon réfugié de la guerre d'Espagne qui a entrepris en 1957 de donner vie à ce jardin étalé sur 400 mètres carrés avant de le dédier donc à sa mère Rosamir Mercader. Son œuvre dont aboutit en 1987 n'est pas sans rappeler le palais idéal du facteur cheval dans la Drôme, le côté méditerranéen en plus. Les véhicules polluants donc ne seront plus autorisés à circuler dans l'agglomération à partir de 2020, une décision donc qui s'inscrit dans la continuité du plan oxygène lancé par la métropole de Lyon en 2001. Pour la première vague, les utilitaires donc légers et les poids lourds ne pourront plus circuler dans certaines zones. Nous rentrons dans les cinq dernières minutes de notre magazine. Pour ceux qui souhaitent encore aller visiter ISARA, on pense que les portes seront ouvertes aujourd'hui, Pascal Desamets. Alors les portes seront ouvertes, mais essentiellement pour nos anciens aujourd'hui. Essentiellement. Elles étaient ouvertes les deux premiers jours pour l'externe. Et là aujourd'hui, on a réservé cette journée à nos anciens. Donc, avec vos anciens, ce sera la dernière journée, c'est-à-dire ce samedi 7 avril. Pour donner envie, c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes veulent bien voyager, on l'a noté, ils veulent bien aller à l'étranger, outre même aller vivre à l'étranger, mais ils veulent aussi aller découvrir l'étranger avant de revenir. Donc, vous avez dit qu'au moins pendant un semestre, vos jeunes vont aller à la découverte, en fait, de ce qui se fait ailleurs. Mm-hmm. Quand ils reviennent, comment sont-ils? Qu'est-ce qu'ils ramènent généralement? Alors, quand ils reviennent, ils sont changés. Ils sont changés parce qu'ils voient d'autres choses. Que ce qu'ils peuvent voir en France et à Lyon. Et donc, ils ont intégré plein de choses nouvelles dans leur culture. On parle d'interculturalité, c'est important justement sur ces aspects d'ouverture. Et ils voient des idées nouvelles aussi à l'étranger, des idées de produits qu'ils ne connaissaient pas. Et comme pour nous, il est important que nos jeunes aient envie d'innover, envie d'entreprendre. Et on a créé d'ailleurs un parcours entrepreneuriat pour les accompagner dans ces démarches d'entreprendre. C'est essentiel qu'ils aillent voir partout dans le monde comment on produit des matières premières, comment on fabrique des aliments et comment on les vend. Vous avez passé plus de 20 ans déjà à ISARA. Presque 30 d'ailleurs. Presque 30. Dites-nous, qu'est-ce qui fait la particularité, qu'est-ce qui fait la spécificité même, la valeur ajoutée d'ISARA par rapport aux autres écoles que vous connaissez avec le temps? La vraie grosse valeur ajoutée, c'est l'humain.
à l'ISARA. Pour nous, on a été fondé il y a 50 ans, je dis par les milieux professionnels agricoles, mais sur la base de valeurs humaines très profondes, d'humanisme, de responsabilité, d'ouverture, d'authenticité. Et ce qui transparaît, ce qui transpire presque quand on vient à l'ISARA, c'est ce côté humain qui est essentiel, parce qu'au-delà de former des ingénieurs qui doivent être très bons techniquement, comme je l'ai dit, on forme aussi des élèves qui doivent avoir ces valeurs humaines, qui doivent en être les ambassadeurs et partout dans le monde et en France bien évidemment y compris, et on forme des hommes, des femmes, des citoyens qui doivent être engagés pour faire bouger les lignes, parce que face aux défis qui sont les nôtres, les petits et les grands défis qui sont les nôtres, il va falloir faire dans les années qui viennent faire bouger les lignes pour pouvoir nourrir les 9 milliards d'habitants sur notre planète. Et j'ajoute dans ce que vous dites que dans un mois à peu près, les 4 et 5 mai prochains, Lyon va accueillir en fait un salon de l'agro-business et qui va donc regrouper, outre les agro-industriels de Lyon, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et d'autres leurs homologues venant d'Afrique subsaharienne, et l'école ISARA y est impliquée pour parler effectivement en fait de cette ouverture en fait à l'international. Et nous espérons avoir le plaisir de recevoir dans ce studio Stéphanie Mazier, qui est la responsable internationale à ISARA. Plus mot de la fin, Pascal Desamains, que retenir en 30 secondes? Que retenir en 30 secondes? Que l'ISARA est totalement en phase avec les enjeux qui sont les nôtres dans nos secteurs d'activité, et que nous avons besoin pour répondre aux enjeux et à ces défis de jeunes qui ont envie de s'engager à la fois techniquement mais aussi humainement au service de nos filières. Merci beaucoup Pascal Desamains d'avoir jugé avec nous, d'être venu nous trouver ce samedi matin. Sachant votre emploi du temps assez serré, vous avez accepté de venir parler à nos auditeurs. Excellente journée. Merci à vous, c'était beaucoup de plaisir. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme.